Le chien de mon voisin l'a attaqué. Il y avait du sang partout. Je crois qu'il faudra bien une ou deux heures pour évaluer l'étendue des dégâts. Le chien de mon voisin l'a attaqué. C'était déchirant, surtout qu'il était là et qu'il a tout vu. Vous pouvez attendre si vous voulez. La première chose à faire va être de l'anesthésier. Courage, tout va bien se passer. Et on va évaluer l'étendue de ses blessures. C'est horrible, sans lui faire trop de mal. Ça va? C'est son chien. Il est bouleversé. J'espère qu'elle ira bien. Je vais d'abord lui retirer pas mal de poils et le sang coagulé qui a coulé de ses blessures. Une plaie d'apparence bénigne peut en fait cacher une entaille profonde et un écrasement de la chair sous la surface. Elle est pleine de vie et elle adore les enfants. Je ne comprends pas pourquoi il l'a attaquée. C'est une chienne vraiment adorable. Les pires blessures sont les coupures profondes et les lacérations qu'elle a sur la poitrine. En raison des nombreuses plaies thoraciques, j'ai placé un drain pour faciliter le drainage. Les blessures des combats de chiens sont très sales et le drain va nous aider à évacuer les impuretés. Il faut plus de 2 heures. C'est bien, ma belle. Pour soigner les blessures de Nobby. À cet instant, il est très difficile de donner un pronostic sur ce qui va arriver. Regarde qui voilà, mon bébé. L'une de ses tétines était si abîmée que j'ai dû l'amputer. Et il y a aussi d'importantes entailles sur cette patte arrière. Elle va probablement boiter un peu. J'espère que les blessures de Nobby ne vont pas s'infecter ou s'aggraver. Les sutures partiront d'ici 2 semaines. Elle a de fortes doses d'antibiotiques et de médicaments contre la douleur. Ce qui m'inquiète, ce sont les dégâts sur les muscles de la patte arrière. Il faudra que je la revoie pour m'assurer que tout se passe comme prévu. Si un problème se présente, appelez-nous. J'espère qu'elle ira bien. Je prie pour que ce soit le cas.